sommes là. De retour. C'est quoi ce personnage? C'est pas moi, moi. J'avais ma race. C'est quoi ce délire? Oh, bordel. Hey, salut à tous, c'est Skyros, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui les amis de retour sur Warzone, le Battle Royale de Call of Duty. Modern Warfare! Ah, ça fait longtemps! Ah la vache, bah depuis que Black Ops Cold War est sorti, bien évidemment, je n'ai pas joué à Warzone, donc bah, je pense que ça va faire un petit peu bizarre, parce qu'effectivement, les mouvements qu'on a sur Black Ops Cold War et qu'on a sur Warzone, enfin Modern Warfare, sont un petit peu différents, surtout en termes de dextérité, d'enchaînement, dès que tu vas franchir un obstacle, le fait de pouvoir viser juste après, etc. C'est tellement plus compliqué sur Black Ops Cold War, en tout cas tellement plus lent. Et je trouve que bah, les mouvements et le gameplay est tellement mieux sur Modern Warfare. Mais bon, éliminer écoute. Toutes les cibles dans la zone des opérations. Eh ben, on commence bien déjà. On commence bien. Bon, normalement, les automatismes vont revenir quand même assez rapidement. Mais néanmoins, il va falloir se remettre un petit peu dedans. Hein. Ouh, capteur cardiaque dès le début comme ça, c'est pas mal. Hein. Ok, j'ai pas eu l'impression qu'il y a eu grand monde ici, mais bon. On va se le faire. On va se le faire. Première game de retour sur Warzone. Ah, ça va faire plaisir. Ah, bon, voilà, Black Ops Cold War est sorti. On a bien joué, on a bien kiffé, mais bon, voilà, hein. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'il n'y a personne ici, donc on va en profiter pour faire son petit loot. Wow, 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 wow! De la thune! Du pognon! Du flouze! Qu'est-ce que je vais prendre là? Ouais, Mitch, je vais prendre, tiens, je vais prendre un petit fromage de chèvre. Ouais, on va se prendre un petit fromage de chèvre. C'est quoi? Ah, prends un drone, allez. L'autoria, on peut en trouver dans l'école. Dispositif de reconnaissance en ligne. Un drone arrive sur zone. Ah bah il était dans les airs lui, non? Eh sûrement, ouais. Tu vois, je savais que j'allais être déçu. Hein. Je savais que j'allais être déçu. Bon, pour l'instant on a vu personne, mais bon c'est bien, ça nous permet de nous refaire un petit peu avec les mouvements, le jeu, etc. Histoire de se remettre un petit peu dedans. Et bah voilà. Et bah voilà, j'étais presque à l'acheter, tu vois. C'était la dernière chance. Dernière chance, vas-y, on met le drone. J'ai repéré un véhicule. Et un drone arrive sur voilà, toi. Super, il y a personne. Tempi, il va être là. Ah, il est en bas. Une cible là. Les gamins, c'est mon véhicule, ça, tu touches pas, ok? Il est fou lui. Il est complètement fou. Attention, le drone n'a plus de carburant. Retour à la base pour ravitaillement. On approche. Nouvelle Oula. Zone de sécurité identifiée. Oula, il s'est barré lui. C'est la dernière balle. Ah bah non merde, le rechargement. Ah shit. Ah c'est long. What? Non c'est un oiseau. Ok, bon bah écoute lui il a... Non. Il a dit not today. I don't wanna die. You will die. You will. Oh. Oh non, il se barre encore. Ouais, bon bah écoute, je vais récupérer Fantôme. Ouais, et un seul kill. 40 survivants à la deuxième zone, ouais. Game passionnante quoi. Où est-ce qu'il me tire dessus lui? Je suis aveugle, je vois pas. Il a... Je
je vois pas de lunettes. Il doit avoir un petit VLK ou un truc comme ça. Ah. Oh my god! Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Ah, ça n'a rien à voir avec le sniper de Black Ops Cold War, moi, je te le dis tout de suite. Hein. Ah bah, une fois que t'as joué au barrette sur Black Ops Cold War, je pense que même le HDR de Modern Warfare, il se ressent comme un quart. Hein. Il y a deux gars au moins. Il y a au moins deux gars. Oula. Oh, il a quitté le plouc. Il a quitté le plouc. Ah bah non. J'ai eu mon kill quand même, non? Je crois que j'ai eu mon kill. Oh, le mec il clip. Il clique, il quitte. J'ai mon kill. Il est où le mec qui me tire dessus au snipe là? Il y a un gars quelque part, je sais pas où il est, mais... Bon bah écoute, le saut là, le saut qui était dans le bâtiment, il a dû sortir. Et d'accord. Peut-être là-haut. Bon, bah écoute, de toute façon, je vais pas non plus passer ma vie ici. Il y avait un gars quelque part au snipe, visiblement. Mais il avait pas de lunettes de snipe parce que je voyais pas le reflet. Il était bien positionné. C'était un mec, mais non. Il y a un gars dessus, hein, ça c'est sûr. Oh oh. It feels good, baby. Bon, il va se réanimer, mais... Mec, quand tu mets des petites balles de snipe comme ça, mec... Ah, ça avait manqué, hein. Ah, ça avait manqué. Bon, la zone est loin. Eh, merde. Ah, je peux même pas... Ah, non. Shit. Putain de merde. Putain, il m'a mis une sac... Le plouc! Oh là là, il m'a mis une sacrée balle. Allez, moi, j'ai pas pu me... Est-ce qu'il y a le petit... Ça, c'est un truc qui est mal foutu, c'est qu'il y a le petit trottoir, donc tu peux pas glisser dessus. Faut le faire en marche arrière, mais... Je savais pas trop quel angle il avait et quel angle il pouvait avoir, quoi. Aucun adversaire ne peut vous affronter. Ah non, ils ont peur, les gars, ils ont peur, bien sûr. Oula, là, là, attends, ça passe ou passe? Ça passe. Eh merde. Ça va. C'est passé. Il faut vraiment spammer le bouton récupérer les trucs parce que les masques à gaz, quand ils sont dans le gaz, ils sautillent, tu vois, parce qu'en fait, il y a les petites cartouches qui pètent. Donc il faut vraiment mitrailler le bouton spammer. Ça passe. Ok. Sur le gong, hein. Écoute, 4 kills, c'est pas énorme, mais première game de retour. On est là, ça fait du bien. Le kiff est présent, c'est tout ce qui compte. Et le but, ça va être de trouver bah, un petit peu de sous, une autoréa, et ci et ça, quoi. Okay. Bah, écoute. Super. Il y a quelqu'un là. Le gaz arrive. Come on. On va avoir une nouvelle zone de sécurité. I know somebody's here. Show your head so I can kill you in headshot. De toute façon, on va attendre le loadout, qui par chance on est à côté, donc largage tactique allié imminent. Il va le mettre en plein milieu, forcément. Je peux te dire que tout ça, je sais pas si tu le sens, hein. Ça pue du cul quand même. Qu'est-ce qui est juste là? Gars là-haut. Oh punaise. Ok. T'es sorti d'affaire. Ah ouais. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est une bonne game là, 4 kills. C'est insane. C'est une game de merde. Bon, game de merde pour game de merde. Ah. Il y a un gars à droite aussi. Il est dans le bâtiment en fait. Ah, ok. Je savais. S'il est pas sorti, il va devoir sortir. Il reste plus que 4 ennemis. Vous savez quoi faire.
Et moi, faut que je prenne mon colis. Vous étiez dans le top 5. Malheureusement, cette fin de cette map, c'est très 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 compliqué quoi. L'échauffement est terminé, fini de rigoler. Ah, l'échauffement est terminé, mon pote, fini de rigoler. Ouh. Ouh, on est là. On est là. On est de retour sur Warzone. Hey, t'es prête ou pas, Lavara? T'es prête? On fait le petit top 1 ou quoi? On fait le petit top 1. Calme avant la tempête. Hey, salut à tous, c'est Skyros, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui les amis, de retour sur Warzone, le Battle Royale de Call of Duty. Modern Warfare. Et aujourd'hui nous sommes là pour le top 1. Le top 1 avec la Bruenne, parce que Patrick, hein, bien évidemment. Et merde, j'ai loupé le truc. L'objectif, c'est d'éliminer tous les ennemis. Je crois que c'était en haut, mais bon. En fait, non. Un ennemi atterrit dans la zone. Surveillez le ciel. On vous a indiqué une zone. Emparez-vous-en. Merci pour la plaque. J'ai bien fait de prendre mon temps, finalement. Ok. Jusqu'ici, ça va. Mais... Alors attends, je... Faut m'expliquer où est-ce qu'elle part, la balle. Bon. Y a un continuum espace-temps Elle est partie où la balle? Je n'ai pas compris là. Il se fait péter. Hein. Bon, faut que j'aille là-haut parce que c'est là où il y a ma loupe, mais. Ah, la Bruenne. La Bruenne, mec. Ah bah. C'est le goulag. Mais j'ai pas compris, le mec. Où est-ce qu'elle part la balle quoi? Tu mets le viseur au-dessus. Mais non, parce qu'il y a une retombée. Il y a une retombée énorme sur la X que tu trouves au sol quoi. Vous gagnez, vous repartez au combat. Soit vous perdez et tout s'arrête ici. Vous allez devoir gagner votre liberté, soldat. Ah non, c'est un AX, c'est pas un HDR. Vous avez réussi. On vous renvoie au combat. Attention, le gaz se rapproche. Bon, écoute, on va faire la petite loupe. Bon, au moins, on a fait les caisses, on a de la thune, pas encore de quoi s'acheter la loadout, mais bon. Il y avait un gars là-haut. Il y avait des gens à peu près partout, en fait, mais... Ok. Le timing était plutôt correct, pour moi, pour l'instant. On va aller... C'est vrai que ça serait bien de prendre une petite cible aussi. C'est vrai que j'aime bien cette arme-là, mais... On va prendre notre classe, on va profiter. Comme ça on pourra prendre fantôme après, mais au moins prendre notre classe direct. Oula. Mais... Ok. Le timing était pas parfait. Le mec sur qui j'ai tiré, il s'est fait mettre à terre. Par où, je sais pas. Écoute, on va aller chercher le largage. Je pense que je vais prendre la Bruenne en fantôme direct. Et on va garder la haine. C'était sûr. Je le sentais qu'il y avait un gars qui campait sur les colis. Tiens, ouais, sa petite tête de fouinasse là.
Ok. Jusqu'ici, ça va ? Ah, j'ai de la thune, franchement. Ça serait bien d'aller au shop, au moins. Il y a un vendeur ici, profitez-en. Attends. Pour faire le... Envoyez un dispositif de reconnaissance. Eh, mais j'ai une caisse ! Un drone arrive sur zone. What ? J'ai une caisse ! Un largage tactique approche de votre position. Non, le mec, il doit être dégoûté. Ah bah, ouais. En même temps, il reste pas beaucoup de monde, hein. Eh, mec, 25 joueurs. Troisième zone, à peine. C'est pas ouf, hein. Ah, il va aller à Train Station de toute façon. Naruto. Ça qui est chiant, c'est que... Ouais, mais là, il se barre en plus, il va être plus loin que moi. Il va être... Sauf s'il est sur le toit où on peut faire un petit truc, mais sinon, c'est mort. C'est mort. Il y a des fois comme ça, il y a un petit peu d'action, il y a du mouvement, puis il y a des fois, bah, juste, c'est chiant, quoi. Franchement, allez. Envoyez un dispositif de reconnaissance. Un drone arrive sur zone. Je vais par ici. Ah, bah voilà. On va aller chercher le mec que j'ai buté. Et on va avancer. Le gaz se rapproche. Rejoignez la nouvelle zone de sécurité. Voilà. Voilà. Tranquillement, ça se resserre de toute façon. Bon, il y a des games comme ça où des fois c'est un petit peu au ralenti. Mais bon, on va essayer de se la faire quand même. Bon, on va reprendre un drone. Tant qu'on a des sous. Même si j'ai l'impression que... Voilà. Il y a beaucoup de fantômes. Des fois, tu sais pas, hein. Comme là, le kill que j'ai fait. Hein. Et au final, le mec, il avait 9500 balles, donc on va dire que c'est le petit kill qui a fait plaisir, quoi. Mais c'est vrai que dans l'absolu, la plupart des gens ont fantôme, hein, ce qui est normal, hein. Tu joues avec fantôme. Hein. Ça va se passer dans les montagnes. Hein. La zone, elle arrive quoi? Dans 15 secondes, ouais, c'est bon. On va passer par la montagne. Hors de question que je passe dans le cimetière. On est trop proche de la mort dans le cimetière. Ah, le gaz est à proximité. J'ai vu un gars là-haut. Il va sûrement traverser la route du coup. Il y a un gars devant moi. Oh la bruelle, mec. Elle fait plaisir. Ah, elle régale la bruelle. Plus que 9 ennemis. 9 ennemis. Ah ouais, d'accord. Non, mais il y a pas grand monde en fait. Ok, ok, ok. Ah ouais. 9, on est 9 là. Bah, vas-y, on essaye de le faire, hein. Petit retour sur Warzone, petit top 1, ça serait bien. La cible multiplié a été identifiée. Occupez-vous d'elle. Le gaz se rapproche. Rejoignez la nouvelle zone de sécurité. Vous êtes dans le top 5. La victoire vous dans les bras. J'ai une de ces chattes. J'ai une de ces chattes. J'ai une de ces chattes. Et on est encore 3. Il y en a un à gauche qui a tué ma cible. Et un, je sais pas où. Cible marquée. Demande de frappe aérienne. Ici Striker 3-1, bien reçu. Frappe imminente. Impact, mais raté. Vous perdez du terrain. Oh my God, yes! Le retour sur Warzone, le top 1! Aïe, aïe, aïe! Ouh! Ça fait du bien! Ça fait du bien, ce petit retour sur Warzone! Il fait du bien! Bon, c'est pas la game de l'année. C'est pas la game de l'année. Mais elle fait plaisir. Mais elle fait plaisir. Ouh! Ah ouais. Non, après là, tu vois, on a joué plus d'une semaine à Black Ops Cold War depuis la sortie. Je commençais à saturer un petit peu, on dit tiens, on va faire un petit tour sur Warzone.
Ah, oh, ça fait du bien. Bon, y a rien à dire. La mécanique, le gameplay, les mouvements sur Warzone, ça n'a rien à voir. C'est vraiment plus agréable à jouer que Black Ops Cold War. Rien que déjà, tu franchis un obstacle, tu sens la différence. C'est la dextérité que le personnage il a, la fluidité dans les mouvements, c'est tellement bon, quoi. C'est tellement bon. J'ai eu de la chance à un moment parce que mec, il arrivait derrière. La petite Bruenne, mec, la petite Patrick, elle régale. Tu vois, ils ont patché, soi-disant, ils ont patché la Bruenne. Ils ont rien fait du tout. Ils l'ont patché une fois, ils l'ont patché deux fois. Ils ont rien fait. Tu vois, l'alarme, elle est toujours autant efficace. Je vais pas dire cheater non plus, parce que c'est vrai que là, à très longue distance, tu peux avoir la limite. Mais l'arme, elle découpe, quoi. Et surtout, bah, du coup, avec la classe qu'il y a là, c'est que t'as vraiment le chargeur de 60 qui te permet d'avoir une vis accélérée, une cadence de tir améliorée en sprint, une vitesse de déplacement, le chargeur amovible, etc. Et en gros, avec ça, bah, t'as quasiment la mobilité d'une AR, quoi. Et donc, avec l'efficacité d'une mitrailleuse, c'est fatal. Enfin, en tout cas, hey, ce petit retour sur Warzone, il fait plaisir. Merci à tous. Voilà. Merci à tous.